On n'arrive pas là par hasard. Et ça n'a pas été ça. Inoptax, comment c'est né? Moi, de mon côté, je suis fiscaliste. Et oui, je fais ça toute la journée. Ici, Cédric, mon développeur web, qui me soutient, avec qui on s'est associé d'ailleurs, donc on se soutient mutuellement. L'idée, elle est venue vraiment du terrain par rapport à Inoptax. Moi, je fais de la fiscalité, notamment pour les hôteliers restaurateurs, ce qui veut dire que je travaille vraiment sur de la TPE-PME, de la petite entreprise qui a de la problématique locale, de la problématique de commerçant. Et en rencontrant quand même au fur et à mesure des années un certain nombre d'entrepreneurs, le constat est bien presque militant en fait, c'est de se rendre compte qu'on a les grosses boîtes, effectivement, que j'accompagnais d'ailleurs quand j'étais encore salarié. Les grosses boîtes ont leur conseil fiscal, elles ont leur armada d'avocats, elles ont les honoraires suffisants auprès de leur expert comptable, elles ont souvent même le staff en interne pour avoir tous les conseils nécessaires et avoir du coup, on va dire, une optimisation fiscale qui est faite dans les règles de l'art et qui est exhaustive. Le seul souci, c'est qu'on a le plus gros des entreprises françaises, d'ATPE, d'APME, avec quelques salariés, voire quelques dizaines de salariés. Ces gens n'ont pas forcément des budgets à accorder à leurs avocats, ne peuvent pas prendre le risque justement de verser déjà des honoraires pour pas forcément avoir de retour derrière. Et faire une optimisation fiscale passe par cette démarche un peu d'audit, finalement, avant toute chose. Donc des coûts en premier lieu. Le constat, du coup, a été de se dire, c'est pas possible. C'est pas possible que finalement la majorité des entreprises aujourd'hui se retrouvent un peu démunies dans cette notion de fiscalité. Derrière, quand même, on parle de l'argent des entrepreneurs. Donc, il faut donner un moyen à ces entrepreneurs de pouvoir vérifier par eux-mêmes s'ils ont droit à des dispositifs et de se dire, tiens, je peux aller voir un avocat, je ne prendrai pas le risque d'aller le voir, puisque je sais qu'il y a des dispositifs fiscaux que je pourrais mettre en œuvre dans mon entreprise, dans mon établissement, dans mon nouveau projet et des choses comme ça. L'autre point aussi, c'est du coup de permettre de différencier au final un petit peu qui est-ce qui me conseille. À un moment donné, est-ce que mon expert comptable est suffisant ou est-ce que j'ai besoin de passer un peu à l'étape supérieure et donc de passer vers un avocat. Ce n'est pas d'écarter l'expert comptable, au contraire, parce que dans le fonctionnement, on met en avant également l'expert comptable. Mais c'est d'arriver justement à se dire, je suis un petit ou un moyen, mais je sais quand même vers qui je dois me retourner. Voilà l'objectif. Voilà comment est née l'idée d'Isle of Tax, il y a à peu près une petite année maintenant aujourd'hui. Ça a mis un peu de temps dans ma tête et j'ai fini par aller voir Cédric. Bonjour. Au mois de novembre, décembre. Ouais. Et sans vraiment avoir défini grand chose, je vais voir Cédric, je lui explique mon idée et je lui demande un devis. La conclusion est qu'un mois après, du coup, on s'associe. C'était plus simple. Donc, on s'est retrouvé à acter qu'on allait travailler ensemble au mois de décembre, à peu près. Et un petit coup de foudre, mi-décembre. On arrive à peu près à Noël, et là, on se rend compte qu'il fallait s'inscrire à la session de Boosting Lyon pour le mois de janvier. Donc, on s'inscrit. En dernière minute, on se dit, on va voir ce qui se passe. 5 janvier, juste après le nouvel an, retour de vacances, on vient faire les sélections pour Boosting Lyon, on vient pitcher. Et on a été accueillis à merveille. Enfin, c'était on doit dire, quand même. Et on a eu l'audace de refuser la proposition de Boussignon pour continuer vers d'autres amis, l'accorder, que d'entre vous connaissent. Et on a essayé quand même, on s'est battu pour garder des liens forts avec Boussignon, ce qui fait qu'aujourd'hui on est quand même présent. On vous remercie pour cette matinée. On a ramé. On a ramé, c'était dur. On rame toujours un petit peu partout, de balle à chaque retrouvaille quand même. Au final, le mois de janvier se passe quand même, bon, avec quelques difficultés du coup, mais se passe quand même. Et on commence à développer, on commence à faire la base juridique, qui ressemble à un énorme tableau Excel qui est lisible. Je pense que je suis à peu près le seul à le comprendre et j'essaie de vous faire comprendre, mais ce n'est pas évident. Et de l'autre côté, Cédric avec ses développeurs ont commencé à développer l'application. L'application, enfin le site, du coup, même de manière générale, ressemble aujourd'hui à ça. Alors vous pouvez voir que pour un site qui parle de fiscalité, on a déjà pris un graphisme qui dénote un tout petit peu par rapport à ce qu'on peut connaître. La ressemblance, alors moins ce que je suis allé chez coiffeur hier, mais la ressemblance entre le petit bonhomme et moi n'est pas faite exprès. Mais j'ai annoncé le scoop hier soir à l'accordé, je vous annonce aussi aujourd'hui déjà que sur la version 1, il y aura le petit bonhomme qui ressemble à Cédric. Voilà, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Pardon ? Ouais. Ouh. Pas tout de suite. Non, on n'a pas prévu. On a déjà intégré des femmes dans l'équipe. On a deux stagiaires qui nous accompagnent. Ah, les voilà. On essaie quand même de rétablir un peu les choses. C'est déjà pas mal. C'est sympa déjà. Donc sur notre site aujourd'hui, la priorité c'est le simulateur.
ce simulateur, il est accessible gratuitement pour les utilisateurs. On a un certain nombre de questions, on va y revenir après. Sur ces questions, le simulateur n'a pas pour objectif d'être court, dans le sens où on veut être exhaustif. On veut vérifier si vous êtes réellement éligible à des dispositifs. Donc, on ne vous pose pas trois questions et on vous fait un calcul à 30% de base. L'idée, c'est de vérifier, notamment par exemple pour le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, qui concerne souvent des start-upers, et vraiment de vérifier avec des questions précises si vous pouvez être éligible ou non à ces dispositifs. Donc, on ne peut pas se permettre en deux questions de vous donner un résultat. Sinon, on fera un peu marchand de tapis. C'est des choses qui existent déjà en ligne aujourd'hui. Il y a déjà des simulateurs de ce genre-là. Là, l'idée, c'est vraiment de venir creuser pour voir si on peut vous proposer quelque chose. Le simulateur, point essentiel. C'est notre priorité sur le site. C'est ce qui apparaît en premier. Ensuite, si on descend un petit peu, on développe aussi à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on a nos deux stagiaires justement, tout un blog qui a pour but de vous apporter l'information. Une information qui se veut courte, qui se veut aussi un petit peu décalée sur le ton par rapport à ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur d'autres sites, mais également vulgarisée. C'est un gros point. Moi, comme je vous disais, je travaille d'hôtelier-restaurateur, beaucoup en Savoie, de Savoie, j'ai des personnes qui sont dans le fin fond de leur montagne toute la journée. Si je viens leur parler avec des termes juridiques, ça ne passe pas. Et c'est un truc qui, pour moi, est vraiment essentiel sur l'approche du droit, l'approche du conseil, l'approche juridique. C'est accepter aussi de parler le langage que les gens veulent entendre et qui intéresse les gens. Donc, sur ces blogs, on travaille aussi énormément à ne pas rentrer dans un blabla juridico-fiscal, ne pas vouloir embrouiller les gens, mais que ça puisse devenir compréhensible et appropriable par tout le monde. C'est vraiment notre objectif. Donc là-dessus, on a un petit blog qui dit version bêta, un petit blog qui est aujourd'hui en développement. Il n'y a pas de bug. Qui est aujourd'hui en développement. On a mis aujourd'hui en lien avec ce qu'on a sur l'application essentiellement les crédits d'impôt. Et on est au fur et à mesure en train de développer la base et du coup de s'éparpiller sur d'autres thématiques de la fiscalité. Donc, cette version, c'est donc la version bêta qui est sortie il y a un mois, grosso modo. Comme je disais, on parlait de crédit d'impôt. Aujourd'hui, le simulateur, le blog comprennent essentiellement des crédits d'impôt, question de temps. L'objectif est que sur notre version 1, là, qu'on va commencer à être soit beaucoup plus exhaustif, qu'on parle vraiment de données comptables. Donc, qui dit données comptables, toujours de la même manière, hein, en parlant de vos dépenses en tant qu'entrepreneur, les dépenses, vos investissements. Nous, on arrive à les injecter en fait dans des petites cases pour arriver à dire vous avez le droit à un amortissement exceptionnel qui vous permet de diminuer votre impôt sur les sociétés. Vous avez le droit en fonction de votre zone géographique, vous avez le droit en fonction de votre secteur d'activité à une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 3 ans. Ah, peut-être qu'on vous fait bien, vous pouvez avoir des exonérations de charges sociales si vous recrutez, des choses comme ça, etc. Aujourd'hui, sur la version bêta, c'est du pur crédit d'impôt et c'est à venir, on va dire, version 1. Septembre. Voilà. Ça arrive. 2015. Non, 18. Pour un peu de marge. On prend de la marge, au cas où. On fait une petite démo. J'espère bien. Qui suit. Je te laisse présenter un peu comment ça marche. Yes. Alors, en fait, le boulot de Jérémy, c'était de reprendre le méandre administratif. Et essayer de le mettre sous un gros fichier Excel comme il est tout à l'heure. Donc ça fait une espèce de pieuvre comme ça, assez complexe finalement. Notre boulot à nous, ça a été de le reporter informatiquement. Donc là, ce qu'on voit, c'est le point de départ des questions finalement. En sachant que chaque réponse à chaque question va automatiser, appeler un nouveau calcul du système et aller chercher la prochaine question. Et voilà, on va se déplacer finalement un petit peu dans ce méandre-là pour en fait afficher que les questions qui concernent l'entrepreneur et le profil de l'entreprise. Dans la démo, il faut quand même que tu réussisses à faire un truc genre où il y a des crédits d'impôt à la fin. D'accord. C'est le temps de démarrer. Donc voilà, on va remplir un petit peu tout ça. Ah oui, je peux accélérer. Claquette. Tu vas encore un peu plus vite. Ouais, d'accord. 5 salariés, on va dire combien. Allez. 100 cas par salarié.
Alors, on va se mettre plusieurs crédits d'impôt. On va faire une simulation qui est pas mal, parce que sinon. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible, en tout cas sur les crédits d'impôt qu'on a déjà. On va remplir au fur et à mesure la base. Parce qu'il faut des données cohérentes. Voilà, il faut des données cohérentes quand même sur une simulation. Ouais. Il y a une validation au niveau du formulaire. Wow. Donc on demande des choses de base hein, quand même. Hein. On est sur du chiffre d'affaires. On essaie justement au niveau des questions de demander des choses normalement que le dirigeant ou un comptable pourra connaître, parce que ça va être des choses qui vont être vraiment courantes sur son activité. Après, de la même manière aussi, on a une approche de simulation. Donc, on va détecter une éligibilité à un dispositif. À partir de là, l'éligibilité, ça veut dire qu'on regarde si vous avez tous les critères de manière globale. Et donc, on demande voilà, des détails. On demande des détails. Hop. Beaucoup de détails. C'est pas le rôle d'un expert comptable de savoir si on a droit à un crédit d'impôt? Justement, non. Le constat, justement, quand je parlais de ce constat, c'est de se dire qu'à un moment donné, le rôle de l'expert comptable, c'est quand même de faire un bilan, un compte de résultat et un petit point sur la gestion tous les ans. Un conseil supplémentaire, il va falloir payer pour ça. C'est des honoraires supplémentaires. Et à un moment donné, on ne se dit pas forcément « je pense avoir le droit à… » Enfin, je ne sais pas à quoi j'ai le droit. Un crédit d'impôt recherche, ce n'est pas forcément le rôle de l'expert comptable. C'est trop complexe pour l'expert comptable. L'État n'a même pas cette obligation. L'avocat, vous allez le voir, vous avez une problématique, vous lui demandez quelque chose. Il répond à cette problématique. On a un crédit d'impôt. Ça commence. Donc, c'est pour ça en fait que les gens aujourd'hui manquent d'informations. Réellement. Ou alors, c'est toujours pareil. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est entrepreneur ici, mais… En fin d'année, l'expert comptable va vous demander des chiffres, des factures. Mais ne va pas venir prendre le détail de chacun des investissements, ne va pas venir prendre le détail de toutes les dépenses qui sont engagées et comment elles sont engagées. Donc, il ne va pas venir affiner justement qu'est-ce qui correspond à ces dépenses et ce que ces dépenses donnent droit. Donc, c'est là où finalement, on essaie de venir apporter ce supplément d'informations par rapport aux mêmes dépenses qu'on donne finalement à l'expert comptable. Je mets quelques zéros parce que j'ai répondu à quelques dispositifs. Donc, voilà. Hop. Voyage. Hop. Comme je disais, il y a quand même beaucoup de questions. C'est… Je mets des noms du coup pour gagner du temps. J'ai plus de place sur le téléphone. T'as plus de place sur le téléphone. Changer de téléphone du coup. Voilà. On vous demande juste votre petit numéro SIRET. J'en mets un au pif. Vous savez combien de chiffres un numéro SIRET déjà? Je ne sais plus. Tu vas peut-être me dire qu'il est plus valable. On arrive à la fin. Donc, là, on arrive à la fin, notamment parce que j'ai mis des noms. Donc, ça a écarté des hypothèses. Dans le cas où j'ai pu répondre positivement à certaines questions, on a ici, en l'occurrence, deux crédits d'impôt. On vous donne le montant qui est estimé pour l'année 2014. Notre objectif aussi, c'est d'apporter donc une information qui est exhaustive. Et notamment, c'est ce que l'expert comptable ne va pas forcément faire, pour le coup. C'est pareil, c'est pas son job, c'est pas un reproche. Mais dans l'idée… En matière de fiscalité, on peut aller 3 ans en arrière. Là, nous, on parle de l'année dernière. Il y a encore peut-être 2 années où vous auriez pu faire des choses. Nous, notre but, c'est aussi de prendre en compte, en fonction des réformes fiscales, en fonction des nouveautés, par rapport aux chiffres que vous allez donner, d'arriver à vous proposer sur, vu qu'on est en 2015, 2012 et 2013, ce que vous auriez pu faire. Donc, dans ce cas-là, il suffit de faire une réclamation à l'administration, c'est un joli courrier un peu argumenté, et on leur demande de reverser un peu d'argent. Et derrière, on prendra en compte ces années 2012-2013, plus l'année 2014, là notamment sur la clôture d'exercice que vous venez d'avoir. Voilà, les grandes lignes du fonctionnement. Alors ensuite, justement, on vous met ces montants, on vous met le nombre de crédits d'impôt que vous pouvez avoir. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir en faire quelque chose. On a le système de base qui est basé sur de la mise en relation. Nous, l'objectif est de développer tout un réseau de partenariats avec justement des experts comptables et des avocats. Experts comptables, notamment si vous êtes en situation de création au tout début d'activité et que vous n'avez peut-être pas encore l'expert comptable qui correspond pour vous accompagner. Ou alors, en fonction de la taille, de l'ancienneté de la boîte, d'avoir un avocat de notre réseau qui vous accompagne. Nous, on va le présélectionner par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre zone géographique. On va vous présélectionner un conseil expert comptable avocat et vous mettre en relation avec lui. Donc, souhaitez-vous continuer? On dit oui. On dit oui, c'est intéressant.
et on dit que ça a bien été traité. Pourquoi ça s'arrête là? Parce que j'ai déjà mis mon... Ouais, normalement, là, j'ai déjà créé ma session. Normalement, vous avez justement la demande de renseignement de contact qui se fait. À partir de là, nous, on vous propose de vous mettre en relation avec notre réseau qu'on est en train de développer activement au fur et à mesure. Et justement, pour accompagner la première démarche que vous avez eue. Nous, on s'arrête là. Après, nous, on a juste un rôle de simulateur d'information, on s'arrête là. L'idée aussi, alors ça, c'est sur du développement, donc c'est toi, ouais. Sur les autres fonctionnalités qui vont 2018. Être... 2018, 2019. Le but, donc une fois qu'on a rempli en fait, un certain nombre de questions, comme ça, qui est un peu fastidieux, dans un second temps, le but, c'est d'aller en push, c'est-à-dire que les lois changent, il y a des nouveaux crédits d'impôt, il y a des nouveaux barèmes, etc. Demain, on peut dire, attendez, maintenant, vous avez le droit, vu votre profil, à un nouveau crédit d'impôt ou nouveau montant, etc. Donc, dans un second temps, on pourra aller directement vous prévenir. Ça, c'est déjà là, c'est en cours de réflexion, en tout cas. On va pouvoir donner ça, cet outil-là aussi à nos partenaires qui sont, eux, fiscalistes, experts comptables, etc., pour pouvoir utiliser ce module-là à la fois sur leur site, donc en widget par exemple, à proposer déjà ce service-là, ou même en mode SaaS, c'est-à-dire qu'eux, ils vont voir cet outil-là, mais avec la liste de leurs clients, les profils à chaque fois de tous leurs clients, ils vont pouvoir aussi ils vont pouvoir bénéficier aussi du push, c'est-à-dire qu'on va leur prévenir que leur client à eux peut bénéficier de nouveaux crédits d'impôt, et donc ça, ils vont faire la démarche d'aller retrouver leur client, et éventuellement conclure de nouvelles affaires de leur côté. Donc ça, c'est vraiment le mode SaaS qu'on va développer aussi au courant l'année prochaine. Voilà, c'est un petit peu les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en place à venir. Notre objectif est vraiment d'arriver à partir de deux simulateurs aujourd'hui qu'on...